bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, l'émission Locomotive Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, comme d'habitude, toujours au même poste, au même endroit, au même emplacement, Serge de Fallé, la légende. Je suis avec Yumi, Yumi, la muse, Yumi. Ouais, salut de Fallé. Ça va, super top, super. Comment top, tu super. Vas? Oh, ça va. Dames et messieurs, nous allons recevoir aujourd'hui dans ce Fafa l'artiste, le Kémite, l'homme spirituel, Aziza 47. Bonjour Aziz 47. Bonjour Serge de Fallé. Comment y va l'homme? Très 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 bien. D'accord. Alors Yumi, quand oui. on entend Aziz 47, on est tenté de dire que c'est un surnom. Donc oui. en temps normal, à l'état civil, qu'est-ce que ça donne? Zate Zahia Emma donne Aziz 47. Ça c'est quel... Quelle région, quelle ethnie de la Côte? Je suis Ban, on nous appelle les Gabou. Non, nous sommes des Ban. Nous venons de l'ouest de Côte d'Ivoire et nous sommes à Oumé du Gounefla. Ah d'accord, Ban, Oumé du Gounefla, l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Mais maintenant, d'où te vient le nom Aziz 47? Pourquoi? C'est la composition de mon nom qui donne le nom Zate Zahia Emma, selon le calcul métaphysique, donne Aziz 47, tout simplement. D'accord, donc moi, c'est selon je peux comprendre le Aziz. Mais le chiffre 47 en lui-même vient d'où? C'est un calcul qui donne ce résultat. Quel genre de calcul? Le calcul métaphysique, ça, c'est pas à votre niveau. Explique-nous, moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que le calcul métaphysique? Il ne faudrait pas qu'on dise beaucoup sur cette question parce que nous n'aurons pas de réponse maintenant. Et... Bon, c'est vrai qu'on peut ne pas avoir de réponse maintenant, mais on peut avoir peut-être un schéma qui peut définir un calcul métaphysique. Je suis... Je suis Aziz 47. Ok, voilà. On m'appelle Cric-Cric-Cric-Cragragnon. Akounia Cribo Fadi Wolivator Vlodoga. Balié Poutou. Yannabello Tchadja Brigussi. La loi, la loi. Donc, ça qui fait le calcul. Vous pouvez pas répéter ce que j'ai dit. Du coup, si on fait le calcul encore, ça va vous mélanger. Donc, en fait, c'est ton calcul qui est. Je suis cri, le plus vilain enfant plaît à sa mère, c'est mon nom. Adama. Le plus vilain enfant plaît à sa mère, c'est ton nom. Quelle que soit la laideur d'un enfant, il plaît à sa mère. Comme on le dit dans le dicton. Même Saint Pagé Gori dit mon enfant est joli. Oui. Je suis comme caca. Il n'y a pas piquant dans moi, mais si quelqu'un sait qu'il a mâché du caca, il allait sortir. D'accord. Aziz 47. Oui. Aujourd'hui, tu te qualifies comme quoi? Médium, féticheur, marabout, quoi exactement? Je suis médium, je suis kémite, mais j'ai créé ma coopération qui est réaliste. Réaliste. Oui. Réaliste, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut en sous-entendre par réaliste? Réaliste, analyser le mot dans tout son sens. Analyse le mot dans tout son sens. C'est-à-dire dans tout ce qui est réel dans la réel vie. Dans la vie. Voilà. Dans tout son sens. Mais est-ce que le réel ne dépend pas d'abord du spirituel? Je suis d'abord médium réaliste. Vous entendez d'abord le côté médium qui est spirituel et réaliste physiquement. Vous voyez, il y a des gens qui sont malades. Ils vont à l'hôpital. Okay. Dès qu'ils croisent, d'abord, quand tu vas à l'hôpital, d'abord dans le village, tu crois d'abord garçon de salle, infirmier, ainsi docteur. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades. Lorsqu'ils vont à l'hôpital et qu'on leur donne des médicaments, ils ne sont pas guéris, ils pensent directement à la sorcellerie. D'accord. D'abord, première chose, quand ça ne va pas, on fait une analyse de sang. L'analyse de sang ne va pas définir quelque chose. Or, que la maladie peut se trouver dans l'estomac, dans les urines, ou dans les selles, ou dans la salive. Okay. Du coup, on n'a pas les moyens d'approfondir. Voilà pourquoi mon nom réaliste vient. Il n'a pas le temps d'approfondir toutes ces analyses pour voir réellement s'il est allergique à un médicament ou à une nourriture. Du coup, il n'est pas réaliste. On est d'aller peut-être en profondeur pour vraiment chercher à savoir de quoi il souffre. Il m'entraîne directement sur ses parents pour dire non, c'est lui là, il m'a laissé un sort, je suis malade, c'est pas il y a ça. Or, en réalité, il n'a pas pris le temps de faire toutes les analyses. D'accord. Donc, je suis réaliste. Réaliste veut dire dans mon domaine, quelqu'un qui n'accuse pas pour rien. C'est pas parce que quelqu'un qui a fait 3 ans sans dormir, son corps n'est pas abouti à quelque chose. Il va avoir un palu, une fatigue générale, il va tomber, il va avoir un palu, il n'a pas très simple, une fièvre, il va dire on l'a lancé sort. Sans chercher à savoir que le corps n'est pas, c'est une machine qui n'est pas abouti à un truc, il a veillé mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Du coup, le corps est fatigué. D'accord. On est allé se traiter. Il dit si on est au village, vraiment, quand je suis revenu, il ne me sent pas bien, on l'a lancé sort. Il va aller s'asseoir dans un temps, en train de prier pour lui, pour dire qu'on a lancé sort. Or, le corps. Dans la poussière, il a veillé. Donc tu nous conseilles de ne pas aller dans un temple pour prier. Je ne conseille pas ça à quelqu'un. Ah, mais je vous demande d'être réaliste. Non, mais quand tu dis au lieu d'aller dans un temple pour prier. Je suis en train de définir mon mot réaliste. Oui. Sois réaliste. Pourquoi ton mot réaliste? On est malade. Ok, ouais. Alors, ton mot réaliste, vous adressez à qui et toi? Oui.
Je comprends que mais à l'hôpital, l'Ivoirien, l'Africain tellement taré. Mais à l'hôpital, oui. Mais voilà. Quand ils vont à l'hôpital, mais une fois. À l'hôpital, pourquoi ils passent par où? Voilà, par ils vont à l'hôpital une fois. Uh-huh. Il a pris le médicament, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Il n'a pas cherché à approfondir de quoi il souffre. D'accord. Directement, c'est sorcier. Oui. Et il va rester sur le corps sorcier, il va mourir. Finalement, on dit c'est sorcier qui l'a tué. Sans voir si c'est vrai ou faux. Donc tous ceux qui sont allés visiter ces soins, qui sont partis à l'église là, ou bien chercher ça là, ils n'ont pas trouvé solution quoi. Il y en a qui ne sont pas sortis. Mais c'est pas maladie métaphysique, c'est pas maladie mystique. C'est parce quoi, que le gars son corps habitué à quelque chose. Oui. Il a changé de tempérament, oui, ou changé d'environnement. Mmh. Il va avoir diarrhée. Mmh. Au lieu d'aller prendre des médicaments chez un spécialiste qui va traiter son mal, d'accord, il va directement dire c'est sorcier. Ok. Mais et si... il va aller en train de prier. Non, la prière ne peut pas guérir la diarrhée. Non, et si, je prends par tes mots, il va, comme tu le dis, à l'hôpital, il ne trouve pas de solution. On fait des examens, on ne trouve pas de résultats, on ne sait pas où son mal est situé. Et puis il va dans une église, et puis il prie, et puis il trouve solution à son mal. Donc fallait, j'ai commencé d'abord que ceux qui vont, qui se limitent aux infirmiers, aux docteurs, oui, avec une seule analyse, d'accord, qui n'a pas trouvé de remède, et en même temps, ils qualifient que c'est un sort, c'est ce que j'ai dit. Oui, je suis d'accord. Il faut approfondir qu'à l'eau, jusqu'à l'eau, vous, vous trouvez réellement dans les selles, dans la salive ou dans l'urine. Quel est le mal réel? C'est pour ça que je m'appelle réaliste. Mmh. Il y a des gens qui viennent chez moi, okay, quand je vois que son mal n'est pas bon niveau, je l'oriente à l'hôpital automatiquement. D'accord. Il dit, au moment où tu es faible là, tu as un problème de sang, je ne peux pas t'injecter le sang. Va voir tel médecin pour faire ça. C'est pour ça qu'on m'appelle réaliste. Ah, donc c'est ça qui fait que toi tu es réaliste. Je suis réaliste. Mmh. Je n'accuse pas les gens pour rien. Et quelqu'un qui vient chez moi, il y a des cas en avant chez moi. C'est-à-dire que ça ne t'était pas si laisse. C'est... Oui. Mais d'abord, moi je suis d'abord, nous travaillons en collaboration avec la médecine. Okay. Vous voyez, mm-hmm, nous sommes au ministère de la Santé et des Santé publique. Nous sommes praticiens. On nous a dit praticiens. Oui, okay, à la base aussi. À la base aussi. Donc du coup, quand quelqu'un est malade à un certain niveau, quand ça dépasse nos compétences, mm-hmm, il a besoin d'une perfusion, il a besoin d'avoir la force, on nous demande d'orienter d'abord. D'accord. Lorsqu'on filme le stabiliser, nous comptons le soigner. Mm-hmm. Ah, d'autres endroits, tout est sorcier, quand quelqu'un est malade, il doit, d'autres endroits me disent de ne pas prendre des médicaments. Mm-hmm. C'est ça que moi, je défends. Et je continue de défendre jusqu'au dernier. Aziz 47, oui, question directe. Tu crois en quoi? Je crois à la tradition, je crois à la nature, je crois aux ancêtres. Ok. Donc, si je comprends bien, dans ta croyance aux ancêtres, oui, hein, donc tu crois en Dieu aussi ou bien tout est. Mais c'est quoi? Tout ça là, m'appelle okay. Dieu en réalité. Non, il ne faut pas définir Dieu par tes ancêtres. Tes ancêtres sont des êtres humains comme toi. Dieu que tu vois, oui, chacun passe par son canal pour atteindre Dieu. Oui, ok. Vous comprenez? Oui. Quand tu vas au nord, on a 64 ans que tu dis en Côte d'Ivoire, il mm-hmm, n'y a pas une individu qui ne connaît pas le nom de Dieu. D'accord. Vous comprenez? Okay. Dieu, c'est l'universel. Mm-hmm. Si le gars va adorer son eau, il voit Dieu en son eau, mm-hmm, c'est ce qu'il enseigne. Non, je suis, Dieu. Non, je suis non, désolé. Non, non, non. Tu ne peux pas dire ça, Aziz. Je suis pas d'accord. On rigole bien, mais tu ne peux pas nous dire que quelqu'un peut voir l'eau en son Dieu. Il faut arrêter ça, mon frère. C'est pas possible. Attends, il ne faut pas prendre les gens pour des moins que. Quelqu'un va voir l'eau en son Dieu? C'est pas possible, mon frère. Mon ami. Aïe, c'est l'eau qui t'a créé. Vous, les petits. Non, on n'est pas des petits. Anciens poupées décalées. Oui, Jacob. Matin. Oui, ouais, c'est ça. On vous a dit non, pourquoi vous allez mourir? D'autres sont en train de mourir. Quand vous avez fui, vous allez vous réfugier. Aziz, t'as fait des choses. Calmez-vous. La tradition dont tu parles, Aziz, toi, tu me parles, tu me dis que toi, tu crois en tes ancêtres. Donc, si je comprends bien. Dans ta croyance, il vient dans ta parole. Si toi tu prends, tu te crois dans ton ancêtre. Donc si tes ancêtres sont en enfer, tu t'en es eux là-bas alors. C'est toi qui vois l'enfer, le paradis. Non, chez moi, l'enfer, le paradis n'existe même pas. Ah, donc faut pas te fatiguer. Ah, ok, c'est bon alors. Les blancs t'ont envoyé la Bible, ils t'ont blagué, ils t'ont dit beaucoup de choses, ils t'ont effrayé. Okay. Si toi tu es effrayé, t'es tombé dedans. Non, moi c'est pas les blancs qui m'ont envoyé. Toi tu me connais. Non, moi c'est pas les blancs. Tu as entendu parler, moi tu me connais pas. Depuis 93 ans, vous ne savez même pas que vous êtes passé à la TV, où on fait, ils sont mis tes mystères. Oui, moi n'est pas d'aujourd'hui. Je le sais. Je suis un vieil de la vieille. Et je sais, c'est. Et je suis une émotion juste. Et je connais les gens avec qui tu as travaillé. Donc t'inquiète pas. Nous tous on est dedans il y a longtemps aussi dans le milieu. Mais moi personnellement. Voilà. Non, il y a eu des collègues. Tu les oui, oui, mais tu as eu des collègues. Tes anciens collègues là, il y en a même qui sortent de mon village. C'est que je suis de l'Ouest comme toi, mon ami. Mais c'est qui non, attention. Voilà. Si tu veux, les 20 ans c'est dit ici. Hein. Ah. Moi, je ne travaille pas avec quelqu'un. T'as fait un. Oui. Il y a eu des collègues. Oui, mais justement. Mais quelqu'un qui peut prendre. Mais. Il y a des couples de collègues qui ont dit qu'ils sont devenus chrétiens. Oui. Ils ne sont pas vraiment des chrétiens, ils continuent les mêmes choses. Comme qui devant tout le monde qui dit qu'ils sont chrétiens, devant matin, puis matin, ils sont dans les mêmes. De qui vous parlez? Mais c'est par rapport à ce qu'ils ont dit sur le les gens bon, on va aller pas à pas. Aziz, tu as beaucoup de fils spirituels dans le milieu du showbiz. Oui, toi et moi, on le sait. Toi et moi, on le sait pas parce que moi, c'est la première fois que toi et moi, c'est moi. Ouais, donc, on le sait. Tu as beaucoup de fils spirituels dans le showbiz. Oui, est-ce qu'on peut avoir la liste des noms de tes fils spirituels? Faut pas te fatiguer, ça, tu n'auras pas. Chez moi, c'est le secret sacré. Je ne fais pas diviser comme les autres qui sont arrivés où on appelle les gens dans le micro devant les gens pour dire tu as ça, ça ne se fait pas chez moi. Chez moi, tout est privé et sacré. Ce que nous qui aimons me voir en privé, notre vie reste privée. Mm-hmm. Notre intimité reste privée, notre connerie reste privée. D'accord. Mais celui qui vient chez moi et sa femme mariée également, les deux ne rentrent pas en chambre. Parce que lorsqu'il rentre en stage, je suis capable de dire des choses, peut-être qu'il va devenir le couple,
C'est une vérité, mais ça peut durer le couple. Donc, justement, c'est privé. D'accord. Donc, vous étiez assis là. Donc, tu fais plus de sagesse, en fait. Notre tradition, mais c'est la sagesse en réalité. C'est le nom de notre travail. D'accord. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu que notre tradition se met en setup, prend micro en train de dire, toi, viens ici, ta maman veut te manger. Nous, on fait pas ça. Mais donc, Aziz, comme façon, il y a beaucoup d'artistes coupés, décalés qui se convertissent. Ça te fait mal un peu. Hein? Qu'est-ce que j'ai à voir avec leur fils? Ça me fait mal. Moi, ma vie, c'est ma vie. Et leur vie, c'est leur vie. Jésus gagne du terrain. Hein? Mais Jésus, même, ils sont venus se implanter. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas gagné terrain là qu'ils sont. Nous, on est encore là. Son terrain est dans la main à longtemps. À l'époque, même pour manger, pour avoir le milieu 24, il faut aller faire d'autres prêtres qui sont aux cieux à l'église catholique pour qu'on te donne des croquettes. Pour les enfants pauvres comme nous. Ah, pour donner le croquet. Pour avoir la première 24 ans, papa ne va pas descendre. Quand tu n'as pas les moyens, tu te retrouves là-bas aussi. Donc, comme tu es parti là-bas aussi. Non, mais moi personnellement, dans la position de petit petit là, il y a trop de choses. Toi, ta position était déjà tranchée. Je suis né comme ça. Donc, du coup, je connais beaucoup de personnes qui étaient obligées d'aller là-bas pour avoir des croquettes le 24. Donc, ça veut dire qu'ils ont servi de ça, de nos pauvretés, de nos souffrances, pour pouvoir implanter. Vous comprenez? Donc, du coup, moi personnellement, je crois bien que. C'est ton avis. Si nous, on est encore là. C'est que le temps arrivé pour que. Vous ne voyez pas que les Kémites se sont réveillés un coup comme ça, tout d'un coup, brusquement. Mais et puis ils vont. Où? Si on ne vanille pas, oui. C'est toi qui vois. Oui, mais les Africains commencent à comprendre qu'ils ont été dupés. Par qui? Monsieur. Oui, vous êtes dupés par qui? C'est notre masse là que tu traites des démons. Toi. Non, je ne traite pas ta masse de démons. Tu dis que vous êtes réveillé. C'est dit ça, il dit où? Je suis en train de dire quelque chose. Tu m'as déjà entendu parler de démons. C'est notre masse que vous traitez des démons. Non, c'est pas moi. Si vous traitez des démons, c'est pas tiens. C'est pas moi qui. Non. Maintenant. Moi, les masques sont en train de démons, se trouvent aux États-Unis, dans les musées, en France, en Italie, partout au Canada. Et la Bible est remplie en Côte d'Ivoire, dans la main de tous nos frères. D'autres ne veulent plus aller au travail. Dit, je laisse mon travail parce que Jésus m'a appelé. Et après, parce qu'il a dit, ses enfants ne mangent pas. Il dit, Jésus va les nourrir plus tard. Donc tu prends par exemple, en disant ça, tu veux parler de ton fils spirituel, ton nouveau spirituel, Clé Salé. Par exemple, il dit, Jésus l'a appelé. Monsieur, même dans vos églises où vous partez là, les langues que vous parlez là, moi mais je peux parler langue là. Ok, mais Clé Salé a dit non, récemment. Non, il peut parler langue là. Si, mais, si, derrière, il dit ok, pas cette langue. Clé Salé a dit qu'il a servi. Gor, il va pas, pa. Chaud rien de guerre. Pa. Clé Salé dit. Rwandego. C'est parce que vous allez à l'église. Ok. Pour anarquer les gens. C'est de la plaisanterie. Pour toi. Merci beaucoup. Pour toi. Voilà, Clé Salé a dit. Je suis derrière un bridon, vous qui êtes en train de suivre là. Est-ce que vous voulez savoir que c'est Aziz qui est en train de faire ça? On dit, oh, un pasteur, l'homme est en train de descendre sur lui. Arrêtez vos comédies, nous sommes au courant. Bon, ce que tu dis là, quelqu'un peut le faire, puis tu peux le répéter, ça peut être une forme de mise en scène, ça c'est rien. Mais c'est parce que ça se voit. Mais votre vie, mais c'est mise en scène. Okay. Parce que les formes là, tout ce qui est faux. Mais les fétiches, c'est mise en scène aussi, ils font. Monsieur. Oui, c'est même chose. Voilà, moi, Aziz 47 devant vous et devant l'écran. Depuis combien d'années je suis le seul mystique féticheur qui demeure et qui est assis. Depuis combien d'années si j'avais des points noirs, Marco soit allé chercher ça pour faire sortir. Mais non. J'essaie de voir, il vous parle. Oui, mais. J'essaie de voir, il vous parle. Les réseaux sociaux me donnent, c'est rapide. Si j'étais un anarcheur, un voleur, un escroc, un prisonnier, aujourd'hui là. Toi, ça a dévalé ta feuille, elle était remplie de beaucoup de choses sur moi avant que tu m'invites. Bon, d'accord, je vais te parler maintenant. Fais sortir tout. Ok. Alors, tu as eu un enfant avec l'artiste chanteuse Miss Pearl Rare. Oui. Ok. Et l'enfant a aujourd'hui 11 ans. Oui. La fille est sortie sur les réseaux sociaux pour t'accuser de l'avoir abandonné, elle et son enfant. Ok. Et que tu l'aurais même trompé avec une fille que tu as fait croire que c'était ta danseuse, pourtant tu sortais avec elle. Ok. Tu veux que je parle de ta vie? Maintenant, on va parler maintenant bien de ta vie. Non, parle de ma vie. Voilà. Entends, Aziz 47, tu es un homme marié. Je t'écoute, hein. Non, réponds à ma question. C'est une question que t'as fait. Aziz 47, regarde la caméra et dis-nous, tu es marié? Je suis marié, oui. Ok. Tu viens de dire que je suis marié et je suis sorti à l'artiste Pelpera. Oui. Dans le fond, c'est faux. Ah bon? C'est faux comment? C'est Pelpera qui était ma femme. Elle a dit que toi, tu allais faire un coup avec ta femme. Pour dire aujourd'hui que l'enfant qu'elle a eu avec toi n'est plus ton enfant. Et que toi, tu as ruiné l'enfant. Que c'est par pitié pour elle que tu en donnes encore l'argent pour la popote de l'enfant. Merci beaucoup pour ce que vous avez. Je vais prendre la vidéo, je vais te faire voir. Toi, tu dis que nous, on n'a pas bonne information. Moi, j'ai dit la vidéo. Aziz Karan, c'est maintenant que le Fafa vient de commencer. Moi, j'ai eu la vidéo. Oui. C'est ça que je t'ai dit là. Vous n'avez pas les vraies informations. Donne-nous les informations. Les vraies informations, oui. C'est que celle qui est ici, son nom de Pellera, oui. C'est elle qui était ma femme. Or, dans votre exposé, j'avais une femme et si elle allait tromper ma femme avec elle, elle est dit, ça fait deux choses. Non, elle est dit hein, que d'abord, tu lui as présenté d'abord une fille comme étant ta danseuse. Attends, hein, comme ta danseuse. Mais il se trouve que
Tu venais prendre elle, son argent la nuit pour aller faire couper, décaler sagacité en ville, être ta danseuse, et puis tu sortais elle. Juste qu'on dit tu as fait couper, décaler là-bas, hein. Ça c'est dans la vidéo aussi, que tu étais là sans voler, tu étais fait les travaillements tout dans la ville. Ils ont parlé de toi, on t'a impacté aussi dans le tendon, reste tranquille. Voilà, tu nous connais. Donc, on continue. Mais tu dis rien. Mais attends, je continue. Parce que, d'abord, il n'y a jamais fait de pharaon. Elle dit que tu as fait pharaon et son agent. C'est celle qui. Je t'ai monté la vidéo, elle dit que tu as pris son agent, tu allais prendre pour aller faire pharaon, couper, décaler, et ta nouvelle go. Tu as menti que c'était ta danseuse, oh, c'était ta go. Merci beaucoup pour la question. Ah. Je vous dis une chose. Mm-hmm, d'abord, vas-y. Votre affaire est renversée. Comment? C'est renversé comment? Mm-hmm. C'est que j'ai connu Pellera quand elle avait 18 ans. Elle a dit dans la vidéo. Je l'ai pris au village, je suis venu à Abidjan mm-hmm. comme ma femme. Mm-hmm. Et j'ai vivé avec elle. Mm-hmm. Je ne suis pas ici pour dénigrer une femme. Mm-hmm. Nous avons eu un enfant. Mm-hmm. On ne s'est pas entendu. Mm-hmm. On s'est séparés. D'accord. D'abord, quand quelqu'un dit des mots, il ne faut pas fustiger des parents. Mm-hmm. Il ne faut pas. Je suis de la tradition, je reste dans mon domaine de sagesse. Mm-hmm. Tu comprends? Elle n'a pas nouveau CP2. Elle avait un. D'accord. Elle n'a jamais travaillé, ça fait deux. Mm-hmm. Quand je l'ai pris avec toute sa famille, y compris sa maman qui vivait chez moi. Ok. Donc, elle ne peut pas avoir l'argent pour s'occuper de moi. Et j'ai un numéro 27, on vivait ensemble. Mm-hmm. Elle vivait avec moi. Elle et ses frères et sa maman. Mm-hmm. Elle vient de Badier. Donc elle ment. Tout c'est faux. Elle n'a pas d'argent pour bien faire sa activité. Ça fait un. Deuxième, depuis que je suis né, je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais fumé et je ne fume pas quand parle les maquis. Sinon toi, tu allais apprendre qu'on dit Aline d'en bas ici, maquis ici. Mm-hmm. Je suis le parrain des artistes tradis modernes de l'Ouest. Mm-hmm. Quand ils chantent, je les soutiens. Mm-hmm. D'abord pour payer la salle, il est soutenu en travaillement et c'est moi qui viens de faire partie. Tout ça, c'est tout ça qu'ils ont dit. Moi je les aide, je suis de la tradition. Oh, les gens qui font le tradis modernes, je les soutiens. Mm-hmm. Elle-même son frère. Qui est artiste chanteur, il est soutenu. Okay. Donc je soutiens tous les artistes. Que ce soit l'artiste, Paris moderne, bureau et tout, je soutiens tout le monde okay. pour que cette musique aille de l'avant. Tu vois le rôle que je joue. D'accord. Mais dit qu'on a pris son argent pour aller, elle-même, elle n'a pas d'argent. Mais est-ce que tu elle es sortie ta danseuse là vraiment? Je ne suis pas sortie ma danseuse. Elle t'a attrapé elle? C'est des conneries. Dans votre maison, elle t'a attrapé. Sur son tu vois le lit. C'est des conneries. Moi j'ai une femme, moi. Uh-huh. J'ai une femme. Uh-huh. Nous avons 3 enfants. Ok. Ma femme. Et à la maison. Ah mais pourquoi tu disais au début que tu n'as pas de femme qui s'est renversée? Non, tu as dit que j'avais une femme avant d'aller chercher Pellera. Ah, c'est faux, arrêtez non, ça. Non, écoutez. Ok. Il y a des témoins. On répare, hein. Tu as dit que j'avais une femme et que j'étais avec une femme depuis, je l'ai menti pour aller me tromper à Pellera. Uh-huh. On s'est renversé. C'est Pellera qui était ma femme. D'accord. C'est elle qui vivait avec moi. Donc c'est après elle que tu as eu l'autre femme. Voilà, c'est avec elle. Vous avez eu 3 enfants. Voilà. Ah, ok, d'accord, je comprends. Voilà, d'accord. Voilà la vraie version. Okay. C'est elle qui était ma femme. Mm-hmm. Pellera, que vous dites que j'ai trompé. Elle ma femme, Pellera. Mais ça, c'est ce que tu as fait. Moi, j'ai pris Pellera. Non, pas la femme, pas la femme des 3 enfants. On parle de ta danseuse que tu as présentée comme ta danseuse. Oh, pourtant, tu étais en bas. C'est du faux. Ah, Aziz 47, faut te revoir. Donc, hein. Vous n'êtes jamais sorti avec votre danseuse. Non, c'est du faux. D'accord. Tu n'es jamais sorti avec ta danseuse. Moi, j'ai vu avec ma femme. Non, quand tu étais Pellera, où tu as présenté ta danseuse, oh, pourtant. Tu tapais. C'est du faux. Pour quelle raison bon. Elle va raconter ce genre de mensonge? Donnez des versions aux gens pour que les gens soient éclairés. Donc, elle a pour quelle raison vidéo. Elle va le dire? Elle a fait des vidéos, j'ai vu les vidéos. Sa maman m'a appelé pour s'excuser. Ses frères m'ont appelé. Pour s'excuser? Que, oui. Pourquoi? Pour ne pas que je puisse répondre et consort. J'ai dit que non, je ne vais pas venir à ce niveau. Il faut arrêter ça. La fille qu'elle a fait les vidéos, là, elle a dit encore une deuxième partie où toi, Aziz 47, tu dis que d'abord de 1, après toi, elle n'aura plus d'homme dans sa vie. Que toi, tu vas finir sa carrière parce que toi, tu es un vrai féticheur, tu vas t'occuper d'elle. Et que tu l'as menacée. La fille a dit tout ça dans sa vidéo. Maintenant, elle se rend compte que depuis que tu es parti, là, quand un homme vient, il y a un qui est venu donner dot. Quand ils ont déployé dot, là, quand ils ont dit ton nom net, que c'est femme d'Aziz 47, il a pris sa dot, il a fui en même temps. Merci. Nous sommes sur un plateau de vérité. Voilà. C'est pas un endroit pour régler les comptes. Mm-hmm. Mais comme c'est une émission fa-fa. C'est fa-fa. Et que vous avez des informations, vous demandez. Mm-hmm. Moi-même, là, il y a des femmes que je drague quand découvre que c'est Aziz 47. Elle me décroche plus le téléphone. C'est parce qu'elle les a envoûtées. Répondez-moi. Mais non, vous faites peur à tout le monde. Bon, où est le problème maintenant? Moi-même, je drague des femmes. Qu'elle ne sait pas que c'est Aziz 47. Nous causons normalement. Quand c'est Aziz 47, elle me bloque. Elle parle plus avec moi. Mais tout part de votre réputation. Non, non. Parce que je suis féticheur. Mais donc, toi, elle a peur que tu la. Peut-être que ça a été féticheur. Donc, si une femme, qu'elle soit en te draguer, que tu dois lui dire que je suis la femme d'Aziz 47, mm-hmm. il peut fuir aussi. Mais non, soyons clairs, nous sommes sur un plateau, hein. Ça, il peut plus dire. C'est que c'est moi, il va fuir, non. Monsieur, il peut plus ou pas, madame. Si moi-même, je cause à la femme, qu'elle debout, c'est Aziz 47, pas plus à moi. Et qu'une femme va se prononcer pour dire, je suis la femme d'Aziz 47, voilà son enfant qui est là, que le gars fuit. C'est moi qui ai fait.
Mais peut-être que c'est toi qui a fait. Bon, en quelque sorte, hein. Donc pour moi, que les gens me font ça, que c'est elle qui a fait alors. Mais pourquoi c'est elle qui a fait? Est-ce que quelqu'un vous a quitté à cause d'elle? Non, mais si elle dit que c'est moi qui fais et qu'on la quitte, si moi une femme me quitte maintenant, donc c'est elle qui a fait aussi. Non, mais elle n'est pas féticheur comme elle vous. Elle n'est pas féticheur comme vous. Mais c'est vous qui n'êtes pas féticheur. Mais si moi me quitte et qu'on la quitte, pourquoi on va dire que c'est moi qui ai fait? Ça fait un. De deux, soyons sérieux. D'accord. Je ne viendrai jamais exposer la vie d'une femme avec qui j'ai vécu. Ok. J'ai dit qu'on ne s'est pas entendu, on s'est séparé. Je ne peux pas revenir encore dessus pour expliquer les détails. Les tenants et les aboutissements. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne se quitte pas parce qu'on est content. C'est elle à laquelle vous dites le nombre d'années que nous avons fait ensemble. D'accord. On ne se quitte pas parce qu'on est content. On se quitte parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Okay. Et ce que vous devez retenir, c'est que je ne vais jamais dénigrer une femme parce que ça ne fait pas partie de ma tradition. Ce qu'elle est en train de dire, si elle pense qu'elle a toutes les preuves, qu'elle va contacter qui des droits. D'accord. Et elle dit que je ne m'occupe pas de l'enfant, je la concède. Elle a dit beaucoup de choses. Après, elle a dit, ils donnent l'argent pour pité. Après, ils ne donnent pas d'argent, ils me laissent à la fin. Là, il prend mon argent pour aller faire boucan. Je n'ai jamais bu. Tous ceux qui me connaissent, renseignez-vous derrière moi. Je ne fréquente pas les bars ni les maquis. Je ne bois pas, je ne fume pas depuis que je suis né. Et amis, mais je n'en ai pas en tant que tel. Vous allez vous renseigner. Amis, mais je n'en ai pas. Parce que je me méfie de tout le monde. Mais secrétaire, mais je n'en ai pas parce que je me méfie de tout le monde. Donc je suis quelqu'un, sachant bien mon milieu, quand tu marches avec moi et que tu ne m'écoutes pas, toi et moi, nous coupons. Aujourd'hui, tu marches avec Clé Salé, par exemple. Clé Salé, mais il est venu à moi ici. Et oui, on l'a vu tout à l'heure à l'entrée du studio. Oui. Alors quand Clé Salé déclare que lui, il a servi Dieu pendant 20 ans, qu'il n'a rien eu. Oui. Est-ce que tu es sûr que Dieu l'avait vraiment appelé à le servir? Bah, il y a aussi ça. Hein. Parce que si Dieu t'a pas appelé à te servir, tu n'as rien à voir. Si Dieu l'a pas appelé, l'a appelé, je ne sais pas comment. Je ne connais pas le Dieu, je ne sais pas comment il appelle les gens. Mais arrêtez de gâter la carrière des artistes. Comment? Vous voyez quelqu'un, vous l'effrayez pour dire non, vous voyez, lui, il est mort, donc si tu ne donnes pas ta vie, tu vas mourir. Ça effraie beaucoup d'artistes qui deviennent chrétiens, par contre. Finalement, ils ne vivent plus. Et ça arrive à beaucoup d'artistes aujourd'hui. Donc tu penses qu'ils ont effrayé? Beaucoup sont effrayés. Moi, je reçois beaucoup d'artistes même, et ils n'ont pas venu dire qu'on a effrayé, leur carrière est gâtée aujourd'hui. Est-ce qu'ils aident vraiment les artistes? Au moins, malade, ils disent que les artistes ne sont pas aidés. Que là, quand on côté à l'église, on doit donner aussi aux chants, les chants n'ont rien. Il y a des chants que vous attendez, vous ne savez pas où ils vivent. Ils vivent dans la misère. Or, les pasteurs sont des milliardaires. Depuis quand tu as eu concert en Europe partout pour les chants? Or, pourtant, ils ont la possibilité de le faire. Quelle promotion ils font pour les chants? Il n'y en a pas. Donc, quand tu es dans une corporation que ça ne bouge pas, tu ne dois pas le sortir dehors. Chaque chanteur de chanter dehors pour qu'il gagne son argent. Il ne peut plus chanter dehors parce qu'il chante pour Jésus. Qu'est-ce qu'il devient vers la fin? Il vit de quoi? Il ne travaille pas. Quel salaire que vous voyez, vous dites quelque chose, vous ne savez pas. Il pourrait aller travailler. Il a été militaire. Il pourrait aller travailler. Il a été d'abord militaire. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Et il a joué à l'Africa. Donc, c'est quelqu'un qui a servi le pays et il a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, on lui a dit, c'est quelqu'un qui fait tout avec le cœur. Il faut servir Dieu, il fait ça. Il allait donner sa vie à Dieu. Mais il pouvait travailler. Mais est-ce qu'il doit donner les moyens pour travailler? Mais tu donnes, moi, j'ai donné ma vie à Dieu, mais il travaille. Mais ça dépend de comment quelqu'un t'a fait. Qui t'a converti? Celui qui t'a converti, peut-être t'as obligé d'aller travailler, mais quand t'es dit, il faut donner chant. Chante un travail. C'est pas une question de convertir, c'est pas une question de conversion. C'est une question de la vie même que tu vois. Moi, j'ai toujours cette habitude de travailler. Même si je dois faire quelque chose de neuf, il faut que je travaille. C'est la conception de la vie. Mais quand t'as les moyens, au moins tu peux tout écrire un commerce. Aziz 47, là, tu parles de Clé Salé, disons que il a été, on va dire quoi, laissé pour compte parce qu'il était au Seigneur, il travaillait pas et tout. Pourtant, on a ce jeune garçon, Case Bloom, qui est avec le Seigneur. Qui aujourd'hui on voit sa gloire. Donc, Clé Salé qui dit qu'il est en Dieu, il n'a rien eu. Entre temps, Case Bloom, lui, il loue son Dieu et puis il brille. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche là? Clé Salé, Case Bloom, c'est pas moi qui dis, il a dit qu'il n'est pas chanteur, qu'il est chanteur. Non, mais c'est Dieu qui loue. Clé Salé, il a dit qu'il n'est pas chanteur. D'abord, il est chrétien. Il convertit beaucoup de ses amis en fait. Oui, il a dit qu'il n'est pas chanteur. On a beaucoup qui se sont ralliés. Clé Salé s'est engagé en tant qu'un chanteur. Peut-être que dans leur loi, il ne sait pas, moi je ne suis pas chrétien. Peut-être quand tu veux chanter, il y a des trucs que tu ne dois pas faire. Moi, je ne sais pas. Certainement. Mais maintenant, non. Oui, mais attends. Tu sais, un chanteur, c'est un sacerdoce. Être chanteur, c'est celui qui appelle la louange dans l'église pour que le siège de Dieu s'installe. Ça, c'est ce qu'on appelle un chanteur. C'est un sacerdoce. Il faut avoir l'onction pour être un chanteur. Parce qu'un chanteur, il peut chanter puis guérir les gens. Un chanteur, c'est pas n'importe qui. Ah. Donc, si on t'a pas, tu n'es pas appelé à ça, que peut-être que tu es chanté, tu es là pour chanter pour Dieu la simplement, Dieu, pour la gloire de Dieu, c'est une catégorie. Il y a des catégories. Maintenant, peut-être que ton ami et frère Clé Salé, il allait se retrouver dans la catégorie où ils n'ont pas appelé pour ça. Parce que la Bible déclare, les bébés entendent ma voix et la reconnaissent. C'est qu'ils ont entendu sa voix, ils n'ont pas reconnu. Merci beaucoup. Pour l'instant, nous sommes là pour moi. D'accord. Clé Salé, lui-même, vous pouvez l'inviter ici. Il va mieux expliquer. Bientôt, je passe par toi là-bas. Comme c'est toi qui l'as mis qui est mythe là. Non. Il est arrivé là, il va expliquer parce que
C'est pas moi qui l'ai converti, il était déjà converti avant que je le croise. Ok. Okay. Voilà, il était déjà kémite avant que je le croise. D'accord. C'est pas que lui a dit quitte là-bas, faut venir ici. Si c'est moi qui lui avais dit, au moins je pourrais mieux vous expliquer certaines choses. Pourquoi tu l'as retiré de là? Alors moi, je l'ai connu en tant que kémite et comme étant artiste, il m'a approché et puis on a commencé. Mais son fils Ryan a fait une sortie, il dit tout ce que son père dit là, lui il n'est pas concerné, hein, que lui il est chrétien, que son père ça n'engage que lui. Oui, et puis alors? Ah ok, non, c'est juste. Est-ce qu'il a dit quelque chose de méchant? Non, c'est bien. Au non, moins, mais là, on a l'impression que vous dites que laisse aller. Non, si vous voulez lui poser des questions, il faille le prendre à huis clos. Entre temps, on veut, si on voit bien, il a abandonné presque tout ce qu'il avait pour vous. Et il dit aujourd'hui sur beaucoup de plateaux télé, je suis le fils d'Aziz 47. Il ne peut pas s'élever comme ça pour dire une telle chose si vous ne lui avez pas mis dans quelque chose. Et puis même quand il est venu chez vous, il vous raconte que non, j'étais en Dieu, je n'ai pas vu. Est-ce que vous vous dites à un moment donné qu'il vous a peut-être menti pour être auprès de vous? Parce que vous lui vendez peut-être de l'illusion qu'il veut découvrir. Moi, je n'ai jamais vendu d'illusion à qui que ce soit. Ah bon? Non. Je vous dis que ce n'est pas moi qui l'ai converti. Ou bien vous ne comprenez pas français. Mais vous ne l'avez pas converti. Comment quelqu'un peut vous porter comme ça autant à cœur pour dire, voilà. Je suis quelqu'un, quand j'aime quelqu'un, j'aime avec tout mon cœur. Ah vraiment? Et quand je m'engage avec tout mon cœur. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'un peu étouffer sa carrière? Sa carrière même est déjà réveillée. Pas du tout. C'était étouffé durant des années. Pas du tout. Mais sa carrière est réveillée. Vous allez voir bientôt. Ok, on attend de voir. On attend de voir. Mais alors, Aziz 47, tu as eu les prémudes? Oui. Bon, tu fais quoi avec ça? Ah. Qu'est-ce qu'il fait un prémude? Oui, fait féticheur, tu fais quoi un prémude? Non, mais déjà même dans la catégorie des fallait, dans ouais, la catégorie des prémudes là. Ouais, faut dire. Il n'y a pas de catégorie mystique. Maintenant, moi, ma question est, il n'y a jamais eu ça dedans. Madame. On a dit tradit modèle. Vous êtes médium féticheur. Il n'y avait pas ces catégories. Maintenant, peut-être qu'on voit le mot là, il y a un. Ah, attends, j'ai demandé ça, Moula. On voit le mot là, il y a un. L'artiste le plus imité tradit moderne en Côte d'Ivoire ici, c'est moi. Pourquoi? Vous pouvez vous renseigner. L'artiste dont le morceau a porté Vantoscope depuis son retour en 2019, c'est encore moi. Donc, vous ne pouvez pas mettre en catégorie des choses. J'ai rendu un hommage à Juliette Anzien qui a fait le tour du monde. Vous comprenez? Mm-hmm. Les clips sont sur YouTube. Donc quand on parle de médium et qu'on dit j'ai pris premier, que vous dites monsieur Antanien Mbola, j'ai été pris des fois imité à Bozo. Quelque chose qui n'a. Est-ce qu'ils m'ont invité à tant que je suis parti avec Fétiche pour aller déposer? C'est mes chansons qui sont imitées. Okay. Et cette année encore, je suis imité, vous allez me voir encore la deuxième marche encore. En parlant de Fétiche aussi, Aziz, vous-même vous l'avez dit. J'ai fait le meilleur tradit moderne actuellement. Et ils ont voté, ils ont vu que je suis le meilleur. Il y a la meilleure progression actuellement en Côte d'Ivoire. Certes, mais vous la jeunesse. Mais pourquoi vous voulez vous jeter? Tellement vous voulez jeter des trucs sur la vie d'une personne. Se jette. Vous me voyez à Pau, vous me voyez à toutes les émissions, vous me voyez sur YouTube et vous voyez mes clips, vous voyez mes morceaux, comment des fois j'ai fait des efforts. Mais pourtant, votre truc sur YouTube, mais vous n'avez pas de compte. Il y a des grandes affiches ici qui n'ont pas reçu des vues comme moi. Comme qui? Comme toi. Je peux pas dire les noms. J'ai fait déjà 7 fois à Paris, où je suis allé jouer à temps tradit moderne. J'ai fait déjà 2 fois l'Angleterre, 3 fois les États-Unis, 1 fois le Canada, étant à plus chanter tradit moderne. Oui, là c'est normal parce qu'il y a une forte communauté aussi qui en demande. Ça. Forcément. Voilà. Et on me dit non, vous partez jouer en communauté en chose. À part Afa Blondie, à Salfo et l'autre, Tikendia, qui ne joue pas en communauté en France? Tout le monde joue en communauté. Oui, c'est ça. Donc arrêtez de dire que d'autres sont plus grands que d'autres. Sous l'artiste qui est devenu international, moi aussi, j'étais planétaire, il a fait déjà les 4 coins du monde. Il y a beaucoup d'artistes là. Ils ont fait seulement la France, ils n'ont pas fait d'autres pays. Donc quand vous asseyez, quand vous êtes en train de dire, tu es traduit pratique, non, je suis un artiste chanteur. J'ai 5 albums à mon actif. Ouais, et je suis un vrai chanteur. Si vous voulez le voir, je vais le démontrer tout à l'heure. D'accord. Tout vous continuez toujours dans les fétiches. Est-ce que vous pouvez me donner la signification de ce. Bon, je ne sais pas si c'est un sage mouche. Avec cette couronne, vous voulez votre couronne. Défalé n'est pas prêt tout à l'heure à faire sortir sa Bible pour décrire tout ce qui est dans la Bible. Non, mais moi je vous pose ça, c'est la ma question. Bible là. Qui est là. Arrêtez de vous. C'est fatiguer. Votre Bible qui est là. L'émission, on attend là l'essentiel. Ça, c'est ma Bible qui est là. Bon, ok, merci. Vous n'allez pas lancer les sorts à quelqu'un ici quand même. Est-ce qu'on est venu pour lancer les sorts? Vous avez peur de quoi pour venir avec ça? Personne n'est venu avec ça. Je ne suis pas venu pour lancer des sorts. Quand tu es venu, tu as prié au moins. J'ai prié. Lui, la prière c'est aussi. Pas pour autant non, que je suis c'est ma prière qui est là. Bon, mais si la prière, moi, il n'avait pas béni. Moi, j'ai ici la prière. Bon, moi, c'est ma prière qui est là. Qu'est-ce que vous craignez? Bon, Aziz 47, tous ces faits là, c'est pour faire quoi? Dis-moi un peu. Vous, ne vous fatiguez pas à poser des questions. Non, pas mais on voit des talismans sur toi. Pourquoi ça ne va pas nous arranger? Tu vas à l'église, oui. Tu pries matin, midi et soir, mais avant de tomber et manger. C'est mes prières qui sont là. Attends, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est tout, pourquoi vous allez vous fatiguer? Non, moi, au moins, faut on attend l'essentiel. Non, ce sont mes prières. Non, parce que nous, on ne sait pas. Donc, vous savez maintenant. Ah, moi, Aziz. J'ai une question, Aziz. Hein? Vous dites que vous êtes médium. Oui. Et que vous pouvez résoudre n'importe quel problème. Oui. Sauf si cela vous dépasse. Oui. Moi, j'ai un candidat qui va bientôt participer aux élections législatives. Oui. Je voudrais que vous me donniez un peu le pronostic. On n'est pas venu ici pour ça. Non, moi, je vous demande, moi. Nous rentrons dans un cadre politique. Vous dites que vous êtes médium. Une fois attendu mon nom dans la politique,
Non, ce n'est pas politique. Moi, je veux savoir si ton candidat. Maintenant, il y a un candidat derrière un politicien. On peut être cadastre des politiciens. Un médium est censé être au courant et savoir tout. Le médium aussi qui est là aussi, vous qui êtes à l'animatrice, vous trouvez la route sans micro, sans caméra, vous dites non, qui est animatrice, non, faut animer. Tu vas le faire? Moi je le fais, je suis paré à toute éventualité. Pour rien comme ça, hein. Ça m'arrive, on dit mais faut ça, animer. Ça m'est déjà arrivé. Mais il y a sans thème, sans sujet. Oui. Bon, ok. Quand on est fort dans son domaine et qu'on exerce dans un domaine, on doit être paré à toute éventualité. Ce qui veut dire que là je suis assise. Si on m'appelle tout de suite, ah, le président Alassane Ouattara a besoin de toi, même si je ne suis pas en condition. On t'a dit je peux pas. Toi, hein. Oui. On m'a pas appelé ici pour dire que vous voulez faire présidentiel sur une élection. Ok. Bah, hey. Je suis venu à une mission Mafafa pour répondre aux questions. Mais c'est une question Fafa. Quel candidat va gagner ou va gagner? C'est une question Fafa. Il y a un problème. Ou bien vous n'êtes pas sûr de vos capacités. C'est pas parce que tu as une belle voix que tu vas comprendre. Quand tu vas arriver dans un cimetière, tu vas comprendre pour toutes les tombes que tu vois. Vous n'avez pas confiance en vos capacités. Mais vous partez ailleurs. Je suis en train de vous parler de l'Afrique et de la réalité. Je dis, c'est pas parce que tu as une belle voix que tu vas arriver dans un cimetière. Tu vas voir, on dit, ça va gérer à quoi. Mais en même temps, tu as comprendre mon son parce que tu es trop chanté. C'est ce que tu es en train de me demander. Donc vous n'êtes pas médium. Moi, je connais des médiums qui, pendant... Vous n'êtes pas affaire à un petit médium et ses béliers qui est raison capable... De plus, vous êtes quand même le grand médium, Maxis. Mais c'est un petit truc comme ça, incapable de... Le fait de parler que les grands médiums, là, c'est dans ça qu'il est sage aussi. C'est pour ça qu'il n'a jamais exposé la vie de quelqu'un. La même manière, il ne pas la vie de quelqu'un, c'est pas qui est cet individu. Que vous allez me donner le nom, et puis elle m'a dit des choses, je vais rentrer dans ces choses, peut-être qu'ils vont toucher la personne. Donc c'est pour ça que vous ne voulez pas dire réellement ce que vous avez fait avec Manadja confirmé, qui fait qu'aujourd'hui il a cette ascension, vu que c'est votre fils spirituel. C'est pas mon fils spirituel. Mon fils spirituel. Vous lui avez donné quoi pour qu'il ait cette ascension? Donc Manadja confirmé, c'est pas ton fils. C'est pas mon fils spirituel. Ah, vous le régnez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une fois dit que c'est mon fils spirituel? Mais lui, il le dit. Mais lui, il avait dit où tu as assis, il a dit que c'est son père spirituel. Bon, le fait de dire parce que comme n'a pas le comportement dit spirituel, hein? ça tourne autour d'une divinité ou d'une connaissance, d'une croyance. Moi et lui, on n'a pas cette pratique entre moi et lui. Ok, donc si on c'est un enfant qui est pris aussi, qui a été dans le même compte toute chose. Voilà. Et que, mais il y a beaucoup chez moi comme ça, il y a beaucoup d'artistes chez moi. Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup. Voilà. On te demande si le nom, tu es là, tu dis non. Que... Je ne sais pas le nom, celui que vous avez connu là, vous prenez comme ça. Si un jour, un célèbre dit non, je suis. Sur la poupée d'Aziz 47, lui aussi, vous allez lui poser des questions. Mais moi, personnellement, vous dites que je connais lui, je connais lui là, pourquoi vous allez vous fatiguer? Maintenant, parmi ces artistes dont vous dites que vous avez aidé et que voilà, vous ne voulez pas les nommer, parmi ces artistes-là, juste pour indice, est-ce que parmi eux, il y a certains qui sont arrivés à un level pas possible? Si vous voyez, Manadja confirmé que son histoire est en train de prendre une certaine ascension pour dire Aziz est derrière le consort, c'est parce que l'enfant s'était converti un manager. Et d'accord. Du coup, étant donné qu'il ne sait pas chanter, il ne sait pas encore trop chanter, et qu'il fait l'effort d'atteindre son niveau, tout le monde dit Aziz est en train de travailler. Mais moi, je dis que je suis avec tous les artistes. Tous ceux qui ont besoin de moi, je suis à leur disposition. Mais c'est secret, c'est sacré et c'est privé. Tous ceux qui ont besoin de vous, vous êtes là pour eux. Mais pourtant, est-ce que jusqu'à présent, vous avez répondu à l'invitation de Claire Daï? Elle m'invite pour faire quoi? Elle vous a invité à son église, à une veillée, elle vous a invité. Elle m'a vraiment invité. Si. Elle est venue parler à la télé. Ici, ce n'est pas ma maison. C'est une invitation. Bah, elle vous a donné une invitation. Ah, si, c'est chez moi. Et puis, elle vous dit de venir, vous dites que vous êtes là pour les artistes. Moi, pas et bon, pour un rien comme ça, quelqu'un vient à la télé, je vous invite. Et puis, un matin, je vais aller matin devant une église pour dire que Claire Bailly m'a invité. Ouais, tu as peut-être rentré dans l'église. Mais... Mais vous voyez, les hommes les plus méchants. Les plus qu'un noir de Côte d'Ivoire d'Afrique sont les chrétiens. Voilà. Pourquoi? Je vous explique. Pourquoi? Les plus provocateurs, les plus insulteurs sont les chrétiens. Mais pourquoi? Il y a musulmans, il y a chrétiens. Mais chrétien est capable de venir s'arrêter devant ta porte pour t'insulter. Donc là, et j'aimerais lancer un appel aux autorités qui disent que nous parlons mal d'eux. Est-ce que dans notre Côte d'Ivoire, étant donné que le pays est laïque, sachant que c'est un féticheur, venir faire déposer tes micros, dire que c'est Satan, démon, ce n'est pas une provocation. C'est une provocation. Est-ce que si elle m'a arrêté devant une église pour faire ça, moi là où je parle là. Mais si elle, tu veux t'arrêter devant une devant Dieu. Où moi j'habite là, il y a combien d'églises autour de moi? Bon, tu es pas fait, tout. Pas moi. Il y en a autour, mais est-ce que vous allez devant? Est-ce que tu peux aller t'arrêter devant eux aussi pour dire que. Je ne suis pas quelqu'un. Ils font là, c'est pas bon. Je ne suis pas quelqu'un qui fait ça. Ah bah voilà. Ma tradition ne me permet pas. Ma tradition me permet de respecter les croyances des autres. Ah, ça c'est. Et c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Ça c'est bien. Si quelqu'un vient me poser une interview, je vais dire ce que je pense. Mais aller m'arrêter dans une église pour connaître les règles et les lois de mon pays, je ne peux pas rentrer devant le feu pour faire ça. Non, pas les règles. Et seulement, plus. Pas seulement que les règles et les lois de ton pays, tu connais aussi les règles spirituelles. Non, c'est pas fait des règles spirituelles. Si les règles spirituelles ne sont rien devant moi, tu les connais. Ce sont des commerçants. Des commerçants. Si c'est affaire des règles spirituelles, ce sont des commerçants.
Mmh. Eux, ce sont des commerçants. Ceux que toi, tu connais là. Hein. Ce sont des commerçants. Ouais, sinon, mmh. pas. Nous, 90% sont des commerçants. Nous, les 2%, on ne les connaît pas. D'accord. Aziz. Mais vous aussi, vous êtes des commerçants. Vous pouvez appeler ça ici. Ah, non, Aziz. Mais vous n'êtes pas des commerçants, même. Vous êtes des parents, même des commerçants, des ancêtres des commerçants. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Des bêtes écrits de commerçants. Vous pouvez appeler comme vous voulez parce que je ne peux pas vous dire que c'est faux, c'est vrai. Chacun sait comment il marche. Si moi, j'étais un commerçant avéré, comme vous le pensez, tout ton papier allait être rempli de beaucoup de choses. Assis. Mon papier n'est pas fini. Est-ce qu'un médium a un dieu? Moi, je veux savoir. Un médium, est-ce qu'il a un dieu? Chez nous, le dieu, il est universel. Il est universel. Mais le dieu qui a créé la terre, le ciel et qui appartient. Vous êtes conscient que attends. De... Yumi, attends, il n'a pas bien entendu. Tu lui as posé une question. Est-ce qu'un médium a un dieu? Oui. On n'a pas dit que Dieu est universel. On dit ton toi. C'est qui ton dieu en tant que médium? C'est une question mal posée. Je dis que le dieu, nous, on croit au dieu universel. Vous croyez en dieu universel? Donc, pourquoi vous racontez tout le monde que les Blancs sont venus nous imposer un homme qui s'appelle Jésus, on nous a vendu ci, on nous a vendu ça, tandis qu'on sait que depuis la Genèse d'Adam et Ève, ça vient de la création, les premiers êtres que Dieu a créés. Donc, vous-même qui êtes un être humain, qui avait été conçu par Dieu, vous le régnez aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que c'est grave et dangereux? Ce que vous fatigue, à toi, vous êtes assise là. Moi, me fatigue. Vous pensez que Jésus est Dieu? Mais Jésus est Dieu. Voilà. Or, pourtant, dans la même Bible, si on place deux pasteurs, d'autres vont faire sortir des versets pour dire Jésus n'est pas Dieu, il est le fils de Dieu. On a déjà vu plusieurs places. Ça dépend du contexte dans lequel il s'exprime. Mais s'il y a deux contextes, ça dépend aussi nuance. Des personnes à qui ça s'adresse. Ça n'est même pas arrivé à notre niveau. Parce que deux pasteurs disent que l'autre a dit écoute, Jésus est enfant de Dieu, l'autre dit Jésus est Dieu. C'est un problème. C'est la compréhension de la Bible. Hein. La compréhension de la Bible, c'est pas pour les borner. Tant bien que mal, un homme qui s'exprime, quelqu'un qui parle à certaines personnes qui sont ses apôtres, il n'a pas le même verbe que quand il s'adresse au public. Exactement. À des questions, ils ont répondu, Jésus a répondu à ses apôtres. Et il y a des questions, il a répondu au public. Exactement. Il est venu pour les brebis égarées de l'Israël. Jésus est Christ, il est Dieu. Christ, il est venu pour les brebis égarées d'Israël. Non, il est venu pour les brebis égarées du monde. Il a dit du monde dans la Bible. D'Israël. Non, du monde. C'est moi qui ai écrit. Ah, pas dans le monde pour écrire. Je ne sais pas quelle Bible toi tu as. Peut-être c'est une Bible de Kamit. C'est là-bas où on tord les trucs là. Voilà comment nous sommes en Afrique. Des Blancs viennent nous trouver. Ils viennent nous dire que quelqu'un est mort chez nous là. Ils disent bah, ah, tu es tout le monde. Il n'est pas mort. Il est mort, ils l'ont crucifié. Non, c'est pas lui. C'est la mort de Jésus seul qui peut non, nous. Lui n'est pas mort. Hein. C'est lui, c'est Jésus qui a été tué. C'est tes ancêtres, ils sont morts. Lui n'est pas mort. Hein. Lui qu'on a mis la croix là. D'accord. Nos parents qui ont été mis dans le truc, ils ont la tué à la tête de vie là. Ça suffit pas. Ça lui, ça fait pas mal. Hein. C'est la mort de Jésus, un seul individu, seul, qui doit faire mal au monde entier. Ça dépend de qui il est. Il est toi ton Dieu, il n'est pas mon Dieu. Moi, je crois au Dieu universel. Jésus, je ne le connais pas. Et moi, je te le conçois. Tu es libre de croire en qui tu veux. Mais c'est tout. Voilà. Moi, j'ai pas de souci avec. L'islam et papa, ils ont dit qu'ils ne vont pas passer sur Jésus pour aller au ciel. Les bouddhistes, oui, les kémites, oui. Et comment on appelle les chinois, les japonais, les indiens, chacun va passer. Pas de souci. Moi, il dit Dieu. Moi, il dit si Dieu. Donc, il ne faut pas vous dire, mais nous, vous dire, chacun va dire. Non. Dites... Aziz, tu as ta croyance, non? Moi, j'ai la mienne. Moi, il me dit. Moi, ah, ça, je suis venu te dire qu'il faut être guéri kémite. Mais je peux, ça passe par vous-même. Comment tu as me dire guéri kémite? Oh. Ça dépend. Non, mais défalé. Dis-le actuellement. Défalé. Tu vas me voir même comment me dire qu'il y a des chrétiens. Mais est-ce que toi-même tu peux dire qu'il y a des chrétiens? Je peux te dire de devenir chrétien. Tout simplement. Pourquoi? Parce que pourquoi tout simplement? Vraiment, n'avoir pas la base. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous allez déjà accepter d'y aller? Comment? S'il vient vous demander de venir avec lui, est-ce que vous allez accepter d'y aller? C'est pasteur même qui lui le blague là. C'est sûr, moi, mais moi, pasteur blague. Moi, personne ne me blague. Écoute-moi, Aziz, moi, je n'ai pas de pasteur. C'est un pasteur qui le blague. Moi, c'est moi-même mon premier pasteur. Jamais, ils te disent à la voix. D'abord, elle me dans l'église. Moi-même, là, je suis mon pasteur. Dans même église, là. Elle me dit, ça, là, elle porte habit sale. Elle a même habit de tirer. Dans même église, là. Dans même église. Et c'est écrit qui est. Mais les aujourd'hui, là, il y a une petite guerre en Côte d'Ivoire. Oui, mais c'est pas. Une petite guerre en Côte d'Ivoire. Aziz, je dis une petite guerre des hommes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le christianisme, c'est à quel niveau? C'est pas des dieux. Le christianisme, à quel niveau? L'islam, à quel niveau? Nous, les animistes, nous sommes au bas niveau. Qui a tué qui? Quel pasteur qui est sorti pour apaiser? Mais vous-même, les médiums, vous lancez des missiles. Il y a 3000 morts en Côte d'Ivoire ici. Oui. Et pourtant, vous êtes venus, vous dites, vous donner la paix, vous priez pour les gens. Vos enfants que vous avez donné conseil là, vous avez un faux conseil, ils sont allés se tuer. Quels enfants? C'est les génies qui sont battus en Côte d'Ivoire ici. C'est les génies dont tu parles. Non, si je comprends, mais tu parles de qui? Tu parles du pouvoir de Babo, c'est de ça que tu parles. C'est ça qu'il dit. Non, j'ai pas des indices qui sont tués. Non, si, mais qui s'est tué par rapport à qui? Vous a envoyé qui? Vous devez prier pour qui? Pour ne pas que ça arrive. Ah, mais à l'époque, il y a eu un problème. Des pasteurs qui m'ont dit non. Oui. Jésus est fort, il va venir balayer, il va venir au dernier moment. D'accord. Il leur a dit, vous êtes en train de vous mentir. Vous êtes en train de vous mentir. Et c'était la seule personne en Côte d'Ivoire ici qui a dit la vérité à la télé. Et vous pouvez vous renseigner. Ok. Vous comprenez? Il y a eu des pasteurs qui ont passé ton dit beaucoup de mensonges. Je suis la seule personne qui a dit.
et vous allez vous démarquer. Mais le menteur, ça existe sur la tête. Et c'est quand vous devez retenir, c'est que vous levez, vous rencontrez n'importe quoi, Jésus va venir nous sauver, il va venir vous sauver. Il dit, Jésus, au dernier moment, il va venir ravager les gens. Cela n'a pas raison. Il y a eu tellement de choses en Côte d'Ivoire ici. Tellement de mensonges en Côte d'Ivoire ici. Okay. Ça aboutit à quoi vers la fin? On est dans quoi? Mais j'ai une parole de Jésus. Donc, arrêtez d'arnaquer le peuple. Ok, il y a une parole de Jésus. Et toi, me donnez les bœufs pour nous, non? C'est pour laquelle promise, ne laissez pas. Puis les JPP, les gens prenaient les. Il y a une parole de Jésus que j'aime beaucoup. Arrêtez d'arnaquer les gens. Il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Si tu n'es pas sa brebis, tu ne peux pas entendre sa voix. Donc je pense que ce côté-là. Jésus a été envoyé pour les brebis d'Israël. Je vous pose une question. Il y a eu, avec comme vous le disiez, la Genèse. Bien sûr. Qui acceptait qui? Qui acceptait qui vers la fin? Qui enceintait qui, c'est-à-dire? Adam et Ève. Là, tu t'adresses à Dieu maintenant. Ils ont fait un enfant. Oui. Et l'enfant est né. Oui. Après, il y a eu Abel, c'est le mot dit. Okay. On est d'accord. Mm-hmm. Caïn a tué Abel, c'est si trois. Mm-hmm. Qui a peuplé la terre? Mais donc, après Caïn, Abel, Adam et Ève n'ont plus d'enfant. Mais si vous avez un enfant, donc, ils sont mariés entre eux. Non, moi, j'étais juste. Il y a seulement deux personnes sur la terre. Donc, ils n'ont plus eu d'enfant. C'est toi qui vas m'expliquer si j'ai eu un enfant. Puis toi, tu étais à eux. Moi, je n'ai pas été avec eux. Moi, je suis un Ivoirien. Toi, c'est à Dieu que tu parles, c'est pas à moi que tu parles. Là, c'est Dieu de qui? Oui, demande l'explication à Dieu. C'est Dieu de ce temps. Votre Dieu est Grégoire que vous avez fabriqué pour envoyer à l'Afrique. Qui a fabriqué? Nous voler. C'est vous qui fabriquez, c'est vous qui regardez boire et vous parler. Bon, nous, on ne regarde pas boire. Nous, on est mieux. Nous, on regarde les statues. On est mieux. On est mieux de fabriquer statues pour dire que c'est votre Dieu. Toi, d'envoyer les Dieu. Là, tu parles à boire. Vous levez le matin, envoyez les armes. Tu ne vois pas que tu es des saints, tu regardes boire, tu lui parles qu'on boit. Mais c'est un peu comme ça. Vous êtes des violents. Vous êtes des criminels. Vous devez tuer les gens à travers le monde et vous continuez. Mais, et les féticheurs qui lancent les sorts aux gens pour les tuer là, ils sont des quoi? Mais c'est des passés, des quoi? C'est des monsieur, gens bien. Nous sommes aujourd'hui là. Il n'y a pas de féticheurs qui lancent les sorts de fois pour tuer les gens. Il n'y a pas de féticheurs qui lancent les sorts pour tuer les gens. Mais vous allez mourir vous tous aussi. Aïe. Ah, mais le que vous avez lancé là. Ça va vous lever aujourd'hui parce que tellement vous regardez. Vous allez manger ça. Ça va vous lever. Laissez ça. Ah, mon ami. Ça passe seulement dans cet ici parce que vous avez parlé ici. Je dis un peu. Et puis dans l'église. Monsieur, d'abord, dans votre temps, religieux, Satan n'a pas accepté. Il dit que tu peux dans l'église. Non. Chaque matin, midi et soir, écoute, vous chassez Satan de l'église. Comment Satan fait pour rentrer dans l'église? Tu sais pas là. Sorcier, mais ça soit. Et puis c'est dans l'église, vous chassez Satan. Comment il va vous rentrer là-bas? Donc vous le laissez rentrer chez vous. Comment? Vous le laissez rentrer. Satan, je ne peux pas rentrer chez moi. Satan, il est trop petit pour rentrer chez moi. Ah bon? Mais c'est dans l'église, grand dormi. Satan est trop petit. Il va venir faire quoi chez moi? Il est trop petit pour qui? Il ne peut pas rentrer chez moi. Tu vas le défier. Il est trop petit. Ah, c'est dans votre église que vous êtes appelé à le chasser, qui va dormir toujours. Satan encore. Est-ce que vraiment vous le voyez? Non, il ne chasse pas de l'église, il le chasse de leur vie. Est-ce que vraiment vous le voyez? Il faut faire attention à ce que tu dis. Ah, à cette allure-là, je vais être en face de Dieu le Tout-Puissant. Tu vas s'expliquer. Dieu-même a réalité là. Ouais. Il est là. Mais c'est déjà Jésus là. Je sais que vous parlez là. C'est lui, je ne le connais pas. Mais vous savez qu'il vient souvent en songe aux gens. C'est à vous, il vient. Il peut venir vous voir. Mais il ne connaît pas. Mais à cette allure, il va aller le voir. Il ne le connaît pas. Il va lui demander de ses explications. Léa me dit que non. Jésus va te frapper, tu vas mourir. Attends, monsieur. Jésus n'est pas fort. Tu sais pourquoi il n'est pas fort? Oui. S'il était fort là, tous les pasteurs qui vont ramasser les gens pour lui, on va faire au nom de Jésus, il dit forcément de faire des guérisons là. Jésus aurait frappé d'abord. Non, mais il y a des gens qui guérissent vraiment. Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Tous les pasteurs qui prennent Jésus pour escroquer la population là, Jésus allait frapper. Ceux qui font des faux miracles, Jésus doit les frapper. Ceux qui vendent l'huile, parfum, tout ça aux gens, au nom de Jésus, Jésus doit les frapper. À qui vous faites allusion? Jésus n'est pas pour venir frapper ceux-là. Moi qui suis dans ma tradition, c'est chez moi qu'il va venir. C'est qu'il n'existait pas. Si je dois chicoter cela d'abord, je connais des gens même qui me fréquentent. Nous sommes ensemble. Je vais attirer des choses chez eux. Nous travaillons ensemble. Mais oui, c'est ça. Mais Jésus doit la frapper. Il y a des brebis galeuses dans tout. Jésus, il peut pas frapper quelqu'un. Il y a des brebis galeuses dans tout. Il peut attirer des choses chez moi. Il peut pas frapper quelqu'un. Il doit frapper cela d'abord. Moi, je prends son nom. Oui. Mais tu traites les brebis galeuses. Est-ce que moi, je prends son nom? Il y a les brebis galeuses. Il doit frapper d'abord ceux qui prennent son nom. Pour arnaquer la population. Pourquoi? Pourquoi il va les frapper? Au nom de Jésus, c'est Jésus qui m'a oint. Et puis ils vendent les gens là. Bon, eux là, ils ont fait quoi à part de dire que c'est Jésus qui m'a oint? Bon, peut-être que. Et puis les sorts de la population. C'est vous qui lancez les sorts, vous tuez les gens là. Eux, c'est vous, c'est bien. C'est que nous, on lance ça, on tue les gens. Ah, c'est ça. On lance ça, c'est soit ton. Non, je te demande. C'est pas ma dernière analyse. Toi, tu dis que nous. C'est parce qu'on a arrêté. On est civilisé, mais c'est ça. C'est vous savez ce que vous avez reçu, c'est pour ça que vous arrêtez. Vous êtes civilisé, vous avez qu'un civil. Arrêtez de vous fatiguer.
On a dit quoi? Bon, Aziz Karasek. Je dis, elle a toujours. Bon, on est venu. Sorti qu'on est marié quelqu'un. C'est sorti, on conduit le manger et le gamin. Ça dépend, il n'a pas bien donné sa vie, sinon pas le moyen. On n'a pas bien donné sa vie. Une chose est sûre. Une chose est sûre, c'est que malgré tout ce qu'on aura eu à dire, il reste dans sa logique. Il ne veut pas. Pourquoi il n'a pas vu qu'il n'aura pas vu? Il a déjà dit. Non, mais si tu n'as pas, tu vas dans ta main comme étant. Moi, tu vas dire quoi? T'es trop petit, hein? Moi, Dieu m'a pas envoyé pour te convertir, hein? Ah! Pas moi, il m'a comme ça, quoi? Moi, il veut pas voir mon pas envoyé, hein? Ah! Tu veux vraiment? Il était dit en même temps. Il faut toi-même, tu ne pas ton croisement d'abord avant de se la compliquer. Non, faut laisser ça même. Mais bien, même vous essayez là. Vous laissez. Voilà! Aziz 47, aujourd'hui, on va dire que tu sors des chansons. Tu es artiste. Oui. Mais là, tu as ton quel album? Parlons maintenant de ta carrière. Cinquième. Et là, tu as quelque chose de neuf qui sort là bientôt? Oui, ça vient de sortir tout dernièrement. Ah ouais? Un single. On peut avoir une mélodie un peu fredonnée de ce que tu chantes en ce moment? Mon arrêt dans le jeu. Mon arrêt dans le jeu. Mon arrêt dans. Mon arrêt dans. Mon arrêt dans. Mon arrêt dans le jeu. Yo! Mon arrêt dans le jeu. Yo! Mon arrêt dans le jeu. Plongez! La pierre dans la tradition s'est libérée, l'Afrique de l'oppression, oh maléyo, balé gouzouba, mi a baba, zéna gouraba, y woné yé, mouna yé daoun léye, mouna yé daoun léye. Mouna yé daoun léye. Alors le refrain, mouna yé daoun léye. Celui qui me connaît ça, voilà lui qui est là. Celui qui ne te connaît pas, mais voici. Voilà lui qui est là. Voilà. Aziz 47. Vous n'êtes donc lié. Vous n'êtes donc lié. Voilà. Aziz 47. Mesdames et messieurs. Fafa, Aziz 47. Oui. Oui, il est fallu. Tu as en tout cas, aujourd'hui, là. Non, moi, j'ai aimé le Fafa. Je suis très content aujourd'hui. On l'a mis dans tous ses états. Aziz 47. Non, tu n'es pas prêt. Yeah. Oh, c'est fatigué. Les passeurs, ils travaillent. Hey. C'est le businessman. Hey, donne-moi l'âme. D'accord, d'accord. Ah, vraiment. Faut donner le nom de pasteur. Donner le nom de pasteur. Je peux pas. Mais, pour votre meilleur ami pasteur. Si vous voulez ouvrir la caméra, je vais vous dire pourquoi. Cassez pas, vous cassez. Non. Mais tu peux casser. Vous voulez nous dire hors caméra. Quand quelqu'un est rassasié, on lui dit de prendre soit papaye, banane douce ou citron pour pouvoir digérer. Digérer. On ne digère pas avec un couteau dans le ventre. Je mange avec un. Vous comprenez, non? Voilà, chaque dimanche, c'est que vous donnez là, on en va pour moi. Et c'est ça qui me rend fort. Oh. Donc, je ne peux pas. C'est que gars, ça là. Si vous voulez dire ce que vous voulez dire. Gars, c'est un papo. Je ne suis pas prêt. Je mange à C'est un pacte entre nous. Donc, quand vous interférez, même ceux qui font le plus fort tomber les gens là, moi, ici derrière. Donc, vous avez un pied dedans, un pied dehors. Hein? Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Non, eux-mêmes là. Et ils font le corps. Moi, chez moi, ce sont des commerçants. Mmh. Quand il vient me dire non, il y a un cadre qui est venu dans l'église là. Il y a un gars qui travaille, des grands entrepreneurs, tout. Donc voilà son nom. Il faut les attacher pour qu'ils me. Les attacher? Oui. Il faut les attacher pour qu'ils restent dans l'église et qu'ils construisent l'église pour moi où ils peuvent payer une nouvelle voiture. Vous? Quand ils font lui donne mon dabri jojo. Donc aujourd'hui, devant la caméra, vous dites que des pasteurs, devant la caméra et devant la nation, vous osez dire que des pasteurs viennent vous voir pour attacher leurs fidèles qui sont pleins aux as pour qu'ils continuent de faire des donations à l'église? Est-ce qu'il y a dit, on dit? Mais est-ce que c'est pas une manière aussi de tirer à voler aussi l'église aussi? Vraiment? Les discréditer. Voyez comment vous voulez voir. Ça peut être ça aussi. Et vous, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui savent ce que moi j'ai fait. Donc, je ne dirai pas de nom. Mais si vous venez chez moi, c'est ma maison là. C'est la maison de tout le monde. Il n'y a pas ça dedans. Et je marche la terre. Oufou a dit à l'époque qu'il croit plus lorsque un féticheur jure qu'un homme de Dieu jure. Il a raison. Parce que quand vous jurez, vous dites, Dieu pardonne tout à n'importe quel moment. Si tu peux pécher aujourd'hui, demain quand tu vas te convertir, demain pardon, Dieu te pardonne. Chez nous, c'est la causalité. Tout acte que tu poses, tu vas payer. Donc, et quand tu as duré sur les fétiches, ça peut te rattraper, te tuer devant. Tu comprends? Donc, du nous, il y a des choses que nous, on ne fait pas. Vous pouvez pécher. La plupart de tous les pasteurs, j'étais voleur, j'ai fait prison, j'ai fait maca, j'ai violé. Mais Dieu n'est pas venu pour les hommes bien portants. Ça, c'est n'est pas venu pour les hommes droits. Mais nous, il n'est pas venu pour nous, les hommes. Nous, on fait l'effort. Jésus n'est pas venu pour les hommes. On fait l'effort. Il est venu pour les gens comme on toi. On fait l'effort d'être droit. Voilà. Question que vous avez posée sur la dame, Valéra, tout à l'heure. Si c'était un homme de Dieu ou un homme, un chrétien, voyant que lui a raison, si c'était un plan dont il a des preuves, il allait se poser ici parce qu'elle a fait une vidéo.
Mais je me suis libéré tout près. Si moi, oui. Je te prends de côté, qu'il t'explique le problème, il te fait sortir le message tout à l'heure. Mm-hmm. Si toi-même, tu étais à ta place, tu vas casser, tu vas dire beaucoup de choses ici. Mais moi, de ma tradition là, mm-hmm. une femme qui a vécu avec moi, il y a des choses que je ne peux pas faire. Du fait déjà qu'on a un enfant, il mm-hmm. y a des choses que je ne peux pas faire. Même si on n'a pas d'enfant, ce qu'elle veut dire n'a qu'à dire. Mais moi, je suis celui là où je suis. Mm-hmm. Moi, j'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants à la maison. Mm-hmm. J'ai eu des mamans de deux enfants où on ne s'est pas entendu. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, vraiment, je m'excuse, mais ma femme sait que quand j'ai des difficultés, je les donne l'argent, je les aide. Pourquoi? Parce que le respect est resté entre nous. Elle me conseille, elle me respecte. Et quand elle est dans une difficulté, d'autres sont dans le foyer. Et la danseuse, là, tu es toujours elle. J'ai dit, j'ai ma femme à la maison. Non, il parle de la danseuse, tu as ses nouvelles. J'ai dit, j'ai ma femme à la maison. Il n'a pas dit le contraire. Il demande si tu as ses nouvelles. Non, c'est elle. Donc, c'est elle qui lui a dit là. Elle a quand même donné l'information de la danseuse à toutes ses pièces. Mesdames et messieurs, notre émission va tirer à sa fin. Cette dernière question, c'était pour titiller mon frère Aziz Karaté. Lui, moi, je connais. Hein? C'était pour le titiller un peu. Bon, c'est des choses qui sont passées, effectivement. C'est le moment de sa vie. Ma femme, hein? Il a expliqué. Ça s'appelle Coco Bletti. Ah, voilà, il a dit le nom là-bas. Ouais. Big up à maman Coco Bletti. On te salue. On a titillé un peu, hein, Aziz, voilà, tranquillement. Voilà, donc, c'était le Fafa avec Aziz 47. Nous vous invitons à toujours nous suivre sur la toile des réseaux sociaux un peu partout. Big up au PDG Pierrot, big up à Kangala le Berger, big up à monsieur Mamadou Diawara depuis Somadi. Et sortez toujours couvert, c'était Fafa avec Aziz 47, le médium. Ouais, était dans la place et Serge de Fallet, la légende. On est ensemble. Big up.